On a subi deux incendies criminels lors des émeutes de juin 2023. Grâce au département des Yvelines, on a pu tenir un calendrier en un temps record pour reconstruire une très belle école à la rentrée 2026. On doit beaucoup au département des Yvelines pour la rénovation urbaine du bois de l'étang. On a pu voir également la nouvelle ZAC, la zone d'aménagement concerté Gare-Bécane. Puis ce nouveau quartier qui va voir le jour, qui sera un quartier avec une exigence sur l'esthétique pour respecter cet esprit village. Merci de nous recevoir. Bonjour. Thomas, ça va? Vous êtes installé combien de temps? Un an. Un an, bravo. Merci. En tout cas, le kir était parfait. Ah, merci. C'est toujours un plaisir d'échanger avec des habitants qui viennent d'horizons très divers et je pense pour le président important d'avoir ces retours du terrain. On a pu aussi rencontrer une association Fedeampa Amadou Pa et du coup qui permet de pouvoir assurer des cours d'alphabétisation. On est chez Axol qui propose des activités très innovantes sur le domaine de l'handicap et pour ces personnes à mobilité réduite. Il y a 1,6 milliard de personnes à mobilité réduite dans le monde, 800 000 en France. Cette accessibilité est encore à travailler. En conclusion de cette très belle journée, j'ai quand même été frappé, que ce soit à l'occasion de nos visites ou à l'occasion du déjeuner, par la belle énergie que ce territoire porte. J'ai vu une bande de papy-mamies qui font un travail associatif exceptionnel. Les gens malades peuvent adhérer à leur association et ils leur assurent le transport. C'est de la solidarité active, donc ceux qui ont du temps, on donne pour ceux qui sont faibles, malades. Ça, c'est un principe de société qui est remarquable. Bonne soirée à tous et à tous.